Elle veut pas qu'on lui enlève son Bouddha. Non, je vais vous faire un truc un petit peu spécial. Alors, ça se fait qu'un jeu de cartes, on crée. Ça se fait deux petites ardoises. Et je vais les mettre là. Hop, pas bouger. Pas bouger. Très bien. Et un petit élastique. Voilà. Et un petit foulard également ici. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, l'idée, c'est très simple. Alors pour tout vous avouer, en fait, les ardoises que je vais utiliser sont des ardoises magiques. En fait, elles ont un pouvoir. Et vous connaissez tous la fameuse écriture spirit. Vous savez ce que c'est l'écriture spirit, l'écriture spontanée. C'est quand quelqu'un tient un stylo, une craie, quelque chose comme ça, et que par normalement l'esprit, par une entité, on arrive à écrire comme ça ce que les autres pensent. Eh bien, on va essayer de faire la même chose, mais ce coup-ci un petit peu plus visuel, et c'est pas moi qui vais tenir la craie, autrement on va dire que je triche. Alors avant de commencer, hop, je vais prendre un jeu de cartes, on va le mélanger, bien sûr. Très important. Alors on va mélanger autant les faces, ça c'est très très important, que les dos. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on mélange que d'un côté, et en fait non, il s'avère qu'on mélange comme ça, on mélange vraiment des deux côtés et que c'est vraiment très clean. On va, bah tiens, on va enlever les deux jokers, parce que j'en ai pas besoin. Et c'est qui veut examiner le jeu de cartes? Tu veux examiner le jeu de cartes, puisque non? Non? Tu me fais confiance? Il ne devrait pas. Non, je rigole. Non. Tiens, examine le jeu de cartes, très important. Voilà. Non, je fais examiner, mais si tu fais examiner, c'est qu'il n'y a rien à voir. Et bah, tu veux m'aider? Ben, reste debout, s'il te plaît, reste debout. Je vais te défiler les cartes comme ça, et quand tu veux, tu me diras stop, ok? Ok. Stop. Ici? Tiens, où tu m'as dit stop, je regarde pas, hein. Où tu m'as dit stop, tu prends les deux cartes, et t'en donnes une à un de tes collègues qui est à côté, n'importe qui. Voilà. Au moins, ça ira plus vite. Je veux pas les voir, hein, très important. On la montre ou pas? Non, tu me la montres pas. Non, aux autres. Ah, aux autres tu peux si tu veux, mais surtout pas à moi. Mm-hmm. Donc là je peux pas faire plus clean, hein. T'as mélangé, tu m'as dit stop où tu voulais, t'as pris deux cartes. Donc, tu les gardes? C'est bon, ouais. Je peux me retourner, vous les cacher? Ouais. Voilà. Enfin non, enfin je veux dire, je vais me retourner, mais tu vas les remettre dans le jeu. Ok, ouais. Mais c'est pour ça, mets pas tes cartes face en l'air, autrement je vais les voir. Je peux me retourner? Oui, c'est bon. Allez, je me retourne, tu les perds dans le jeu, la tienne et également la tienne, et tu mélanges, très important. Alors, vas-y, je regarde. Non, parce que on va dire, je veux voir quelle position tu les mets et tout. Non, c'est un truc impossible à faire. Alors. C'est bon? Allez, viens avec moi. Et je vais te demander de mélanger comme ça les cartes sur la table. Vas-y, tu les laisses tomber. Voilà, et tu t'éparpilles comme ça. Voilà. Super. Tu peux même étale, voilà. C'est bon? Allez, super, merci. Allez, tu peux te rasseoir, c'est gentil. Donc l'idée, avant de commencer, donc là où c'est important, c'est que je vais numéroter, très important, les ardoises. Regardez bien. La première face, d'accord, on va l'appeler la face numéro 1. Oh, formidable. Jusqu'à là, rien de compliqué. La deuxième face, 2. On va appeler la face numéro 2. Juste ici. Pas bouger. La troisième face, ou la troisième, ça dépend, on va l'appeler numéro 3. Et la quatrième, on va l'appeler numéro 4. Je sais pas si tout le monde... Désolé. C'est dur. C'est dur, mais on va essayer quelque chose. Et du coup, l'idée, en fait, avec ces ardoises, c'est qu'on va essayer de retrouver une carte, ou du moins les deux cartes, grâce, en fait, à ces ardoises-là et cette craie. Tiens, je peux te la confier. Je vais te demander de prendre la craie. Et tu vas imaginer, en fait... qu'une écriture spirit peut se transformer, s'envoyer en fait entre les deux ardoises qui sont ici. D'accord? Alors vas-y. Tu as une ardoise que tu préfères en fait? Non. Bah, dis-moi une maintenant, celle que tu préfères. Soit celle-ci, soit celle-ci. Celle-ci? Donc celle-là, on la garde pour tout à l'heure. D'accord? T'as bougé. Tu te rappelles le nom de ta carte? C'est à qui? C'est toi? C'est toi? Tu te rappelles le nom de ta carte aussi? On va commencer par la première. Attention. Vas-y, viens, approche-toi.
On va commencer par une de vous deux. Tiens, prends-le, mets-toi ici sur le côté, viens avec moi. Voilà. Regarde. On prend comme ça et tapote un petit peu sur le jeu. Vas-y. Et on va essayer une écriture spirit. Oh putain, je... On dit pas putain, il y a des enfants, mais non, mais c'est assez bizarre. Attends, je ressens quelque chose. Hop, arrête. Je vois une carte rouge. C'est exact. Continue. Je vois une carte à points. Une. Ouais, continue. Stop. J'ai senti quelque chose. Si tu remarques en fait le coin de la craie, on dirait que la craie a écrit. C'est bizarre, hein. Je ressens une carte à cœur, c'est exact. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur l'ardoise, il y a une seule carte qui a été marquée derrière. Le 4 de cœur. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Tu peux toucher, vas-y, efface. C'est réel. Vas-y, on va effacer. Alors, on pourra aller beaucoup plus loin avec cette expérience. C'est d'imaginer quelque chose de beaucoup plus fort. Je vais mettre les ardoises en contact entre elles, d'accord? Juste en contact, comme ça. Et je vais te demander de m'aider. Tu vas prendre l'élastique et tu vas le mettre autour de l'ardoise. Vas-y. Voilà, serre. Au moins comme ça, on est sûr que je ne touche absolument rien. Voilà, ok? Et on va mettre tout ça juste ici, comme ça. Et avec ça. Avec... C'est bon, merci, tu peux tracer. Juste ça ici. Et on va couvrir tout ça du foulard. Et regardez bien, je remonte les manches parce que ça c'est assez impressionnant. Mais on va essayer de faire une écriture réellement spirit ce coup-ci. On va essayer de la voir. Attention. Il faut se concentrer. Regardez bien la craie qui va commencer en fait à écrire. Et ce qui est assez étonnant, ce qui est vraiment assez étonnant, c'est que ça va se passer là. C'est visuel. Regardez bien. Oula, il s'est passé quelque chose. Vous avez vu bouger? Il s'est passé quelque chose. Oh, ni dessous, ni dessus. C'est assez bizarre. Il regarde du bout des doigts. Tu te rappelles le nom de ta carte? Ouais. Pour la première fois, est-ce que tu peux me dire le nom de ta carte? 3-4. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde entre les ardoises, il y a bien le 3 et le carreau. Et c'est assez bizarre, mais tu peux vraiment, vraiment effacer. C'est vraiment le 3 et le carreau. Bizarre. Ah, on peut examiner, bien sûr. C'est fou, hein? C'est le tour que tu crées, là. C'est fou. Oh, yeah.